Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les équipes sont arrivées il y a un peu plus d'une heure maintenant. Elles se sont échauffées dans de bonnes conditions. La pelouse est belle. Elle a été tondue juste à la bonne hauteur pour que le ballon glisse bien, aille rapidement. L'ambiance était plutôt bonne, malgré le ciel menaçant qui pourrait nous donner un peu de pluie plus tard. Mais pour l'instant, pas de gouttes. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf. C'est parfait pour ce match. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Quelle passe! Ça peut être extrêmement dangereux. Deric. Il a tenté, bien joué. Va-t-il en profiter? Oh, c'est chaud! La tentative! Il connaît. Poteau. C'est bien, les intentions sont là, même si c'était encore imprécis. C'est un bon début de match. La passe dans la profondeur. Belle passe lobée. Il ne résiste pas au contact. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Allonge vers l'avant, c'est trop long, pas assez précis. S'il le trouve, c'est osé. Le bon ballon. Bonne interception, il y avait danger. Valenciennes qui a gagné son dernier match, on l'a vu, grâce surtout au bon choix de son entraîneur. Vous savez, un match tient parfois à rien. Il suffit de faire le bon changement au bon moment pour forcer la décision. Mais il ne faut pas se tromper, hein. C'est récupéré. Tactiquement, c'est quand même pas mal ce qu'ils essayent de faire. De passer par les ailes, vous voulez dire? Oui, mais pas seulement. Ils occupent les côtés pour étirer cette défense et trouver des espaces. Ah oui, oui, oui. Je vois. Il allonge, pourquoi pas? Dans la profondeur. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il change d'aile. Mais le ballon a franchi la ligne. Raphaël Varane. Bon service dans la profondeur. Oh, attention! Il s'impose physiquement dans ce duel.
Idrissa Gueye qui cherche à construire. Dans la boîte. Quel jaillissement! Ça joue long vers l'avant et il jaillit pour prendre ce ballon. Touche. Un long ballon vers l'avant. Valenciennes qui cherche l'étincelle. Et il perd l'équilibre. Deric. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Long ballon dans le sens du jeu. Bonne intervention. Thiago Mendes. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. Mendoza. Ouf, un peu d'air. Idrissa Gueye. Le jeu repart vers la droite. C'est centré dans l'axe. La longue passe. Ça doit faire. Ça peut être dangereux. C'est dedans. Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait. Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il faut pas arrêter là-dessus. Faut chercher à faire le break. Ouverture lumineuse. Ça joue long. Le bon dribble. C'est parfait, magnifique. Le soutien derrière lui. Allez, c'est dangereux. C'est déjà la pause. J'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et ils méritent de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il... Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Idrissa Gueye, il résiste bien. Raphaël Varane. Il décide d'allonger le jeu. Ça sent la frappe. Il s'échappe. Allez, jusqu'au bout. Il va s'en vouloir, mais cette parade était juste fantastique.
gauche, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Deric. Il peut tirer. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Mendoza. Ça part, la frappe, attention! C'est joué long. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il a trébuché sur cette intervention. Un long ballon vers l'avant. Mendoza! Et ça fait but! Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Mendoza qui double son capital but avec sa 2e réalisation de la saison. C'était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. C'est une remise en jeu. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Hors jeu apparemment. Il tire. Idriss Agueil. Oh, le contre, l'arme fatale. Gerson.
partir de derrière. Long ballon dans le sens du jeu. Van Dijk pour un nouveau ballon récupéré. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Un peu d'air pour la défense. Assez mal joué, ballon perdu. Voilà une bonne occasion de contre. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. C'était une belle course, mais avantage au défenseur. Il décide d'allonger le jeu. La longue passe, il peut en profiter. Thiago Mendes. Quel timing dans l'interception. C'est joué dans l'espace. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. C'est bien joué. Bonne intervention. Faut que ça va partir vite. Il y a de l'espace. Et il cède sous la pression. Il est bien placé. Et il perd l'équilibre. Centre. Dégagement. Oh, le bon ballon. Il a trébuché sur cette intervention. L'ouverture sur le côté. On joue sur l'aile, il est servi. Quelle inspiration. Oh, il résiste bien, il continue son one man show. Là, il peut centrer. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Bien, la profondeur. Le centre tendu. De voler. Mais c'est bien fait, mais ça ne suffit pas. Ce centre a vraiment mis les gardiens en difficulté. Ils ne savaient plus s'ils devaient sortir ou non. Il aurait pu le payer cher. Il y aura 2 minutes en plus. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Oh, bonne lecture, intercepté. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Bon, ils nous ont régalé. Franchement, cette équipe nous a enthousiasmés. Et l'entraîneur, regardez, est bien sûr fou de joie. Il n'est pas le seul. C'était un bonheur absolu. Alors, que retenir de cette rencontre? Lorsqu'on est solide derrière, qu'on ne prend pas de but, alors ça donne confiance à toute l'équipe. La victoire vient de là. Voilà, Varenne, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut. Merci, Grégoire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Audio Hub.
Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Découvrez Shadow, une toute nouvelle façon de jouer au dernier jeu sans jamais changer votre PC. Avec une simple connexion internet, vous pouvez transformer n'importe quel appareil en PC gamer surpuissant. Comment ça marche? C'est simple. Votre Shadow est juste là. Une machine Windows 10 complète avec des composants haut de gamme, stockés en toute sécurité dans nos data centers. Pour accéder à votre machine, connectez-vous simplement à votre compte Shadow et vous streamez l'image et le son directement sur tous vos écrans. Que ce soit sur un vieux PC, une tablette, un smartphone ou même sur Mac, profitez de vos jeux sur tous vos appareils. Votre Shadow fonctionne comme un PC Windows 10 classique. Vous pouvez installer et lancer n'importe quelle application. Les jeux qui vous appartiennent déjà, les derniers titres du moment, et tous les logiciels de votre choix. Et le mieux dans tout ça, c'est que nous prenons en charge tout le matériel. Votre Shadow est régulièrement mis à jour et ne devient jamais obsolète. Vous pouvez donc profiter de performances haut de gamme, sans limite et sans aucune contrainte matérielle. Shadow, le meilleur moyen de transformer tous vos appareils en un PC gamer surpuissant.